Chers amis du Club 700, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cet nouvel extrait dans notre série sur le fruit de l'esprit. Dans cet extrait, je vais vous parler de la douceur, l'une des 9 vertus du fruit de l'esprit. Dans les textes originaux, l'auteur a utilisé le mot grec « praotes » pour exprimer cette vertu. Et ce mot exprime une disposition à être gentil, bon, indulgent, équilibré dans les passions et patient devant l'injustice sans vouloir se venger. C'est la qualité d'une personne calme qui donne une impression reposante. C'est une attitude modérée associée à la force et au courage. Il ne s'agit pas ici d'une sorte de mollesse, bien au contraire. Le Seigneur déclare dans Matthieu 11, 29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur » et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pourtant, quand on lit dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 5, nous voyons une attitude de force et de courage, et non de faiblesse. La Bible dit, « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Alors, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Et là, on voit dans cet agissement, pas de faiblesse, mais plutôt de courage et de la force. Dans Nombre, chapitre 12, verset 3, la Bible déclare « Or Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. » Mais cependant, quand on peut le constater, à nouveau, la force et le courage chez Moïse, dans Exode 32, au verset 19 à 20, la Bible dit « Et comme il approchait du camp, il vit des veaux et des danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire cette eau aux enfants d'Israël. » Là encore, on voit la force et le courage. Donc nous sommes appelés à agir avec douceur parce que nous participons à la nature de Dieu, parce que nous sommes des enfants de la lumière, mais nous ne nous laissons pas piéger dans une mollesse qui ne participe pas à la vie de l'esprit. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.